Hello mes petits potorettes, bienvenue dans mon antre. Vous inquiétez pas, on n'allait pas passer la vidéo totalement dans le noir. J'ai voulu faire une petite intro ambiance Halloween. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve un peu avec une lumière différente, un décor différent. Enfin, j'ai mis des petites bougies d'Halloween. Bah parce que c'est la période et personnellement j'adore cette période. Je suis en tenue Serpentard parce que après je vais aller tourner des TikTok Harry Potter. Donc me voilà dans mon plus beau outfit. D'écolière Serpentard. Aujourd'hui, on se retrouve un peu pour une vidéo chit-chat où je vais parler et où je vais déguster des bonbons Harry Potter et faire un petit unboxing car j'ai reçu, encore une fois, j'avais déjà fait un petit partenariat avec eux quelques vidéos avant. J'ai reçu un colis de la part de Nostalgift. Donc, Nostalgift, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet qui propose des produits des années rétro. Donc années 80-90 il me semble. Vous pouvez retrouver des objets des années rétro mais également beaucoup de friandises et de bonbons. Et bien sûr comme vous le voyez il y a des produits Harry Potter, Scooby-Doo, Gremlins, plein de petites catégories. Et bien sûr ce qui nous intéresse c'est les produits Harry Potter, vous avez plein de produits Harry Potter. Et en ce moment donc vous avez surtout les produits d'Halloween vu que c'est la période. Donc je vous mettrai en barre d'infos, en description, le site internet de Nostalgift. Et bien évidemment, j'ai un petit code promo pour vous. Alors, vous avez 10% de réduction sur l'ensemble du site valable pendant 3 jours avec le code OC10. Donc voilà, je vous écris tout ça, OC10, 10% de réduction sur tout le site pendant 3 jours. Donc, voici le colis et je vais donc vous annoncer la nouvelle avant de déballer le premier produit et je vais vous parler un peu de tout ça au fur et à mesure. Tous les poils qui volent, c'est incroyable, merci mon chat. Donc, la grande nouvelle, et vous l'avez vu dans le titre, je vais aller voir Tom Felton. Oh, le sourire que j'ai quand je le dis, je ne réalise pas trop encore. Je vais aller voir Tom Felton le 28 novembre à la TGS de Toulouse. C'est juste incroyable, je ne réalise pas. Alors, premier produit, vraiment je passe du coq à l'âne là, mais oh non, c'est trop mignon. J'ai eu des petits scrunchies, donc vous voyez, c'est les petits élastiques, trop mignons. J'aime trop, alors attendez. Hop, je vais montrer ça à la caméra. Un scrunchies rouge avec les lunettes et l'éclair d'Harry. Un scrunchies noir simple, il est noir simple, donc c'est pas mal. J'ai pas des scrunchies simples et un scrunchies un peu en mode gazette d'Harry Potter. Voilà, avec des articles, il y a le petit dessin, plein de dessins de Quidditch. Ok, ça doit être la gazette du Quidditch, je pense. Il est trop beau, donc dans les tons blanc et bleu. Donc, je pense que vous avez vu tourner la nouvelle qu'il allait avoir Tom Felton qui allait passer à la TGS de Toulouse. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est, ça doit être une convention où il y a d'autres acteurs parce que j'ai vu qu'il y avait un acteur de Walking Dead, qui joue aussi dans Teen Wolf, qui fait le médecin Dilton dans Teen Wolf, le vétérinaire. Donc, je pense aussi que je vais prendre une photo avec lui parce que bon, c'est un acteur de Walking Dead et c'est pas un petit acteur de Walking Dead quand même, mais c'est un gros acteur de Teen Wolf aussi. Donc j'avais vu passer la nouvelle comme quoi il y allait avoir Tom Felton à la TGS de Toulouse. J'étais en mode Tom Felton en France. C'est obligatoire que j'aille le voir. Sauf qu'il y a un gros problème, c'est que j'ai pas les sous. C'était compliqué, surtout que Toulouse ça reste en France mais ce n'est pas à côté de chez moi. C'est pas non plus trop loin mais c'est pas à côté de chez moi. Du coup, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais quoi? Il y a Tom qui va passer pas très loin de chez moi, je ne vais pas pouvoir aller le voir parce que c'est pas donné non plus des conventions. Et encore, celle-là, franchement, ça va. Mais du coup, j'étais un peu dépitée. Mais grâce à ma super maman, elle m'a dit, je t'avance. Donc bien évidemment, il y a des remboursements qui vont se faire derrière. Parce que voilà, au bout d'un moment, j'ai 20 ans, c'est le genre de truc que je me paye moi. Mais du coup, ma mère a gentiment proposé de m'avancer pour que j'aille voir mon idole. Elle m'a dit, pareil, ma mère m'a dit, mais Tom Felton en France, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, c'est bon, c'est pas grave, je t'avance, c'est court. Du coup, j'ai couru et j'ai pris les places hier soir pour aller voir Tom Felton, enfin hier soir, vendredi soir, je sais pas à quelle heure quand je poste vidéo. Donc j'ai pris mes billets de train, enfin avion, mes billets d'avion, l'entrée pour la TGS de Toulouse,
la photo avec Tom. J'y vais le 28 novembre, donc c'est le dimanche. J'y vais avec une amie, avec Jeanne, que vous avez déjà vue sur la chaîne. On prend le même avion, on va prendre le logement ensemble, on y va ensemble, bien évidemment. Je n'arrive pas à me dire, je vais voir Tom Felton. Bon, ce goût produit de la boxe, je vous montrerai après où prendre les places pour aller voir Tom. Comme ça, s'il y a des gens de Toulouse ou quoi, je vous aide à prendre les places, tout ça. Je vous dirai aussi un peu les tarifs de combien j'ai payé pour aller jusqu'à Toulouse et tout. Alors, second produit, c'est un mug. Donc, bien évidemment, Harry Potter. Donc, vous voyez, c'est pas mal de produits sous licence hein, qu'ils ont nostalgique, donc des vrais produits, quoi. Alors, c'est un mug qui a une baguette, je crois, je vois une baguette. Et en gros, il tourne tout seul. Enfin, il tourne. Il se mélange tout seul. Alors, je sais pas s'il y a des piles dedans. J'espère que les piles sont fournies avec parce que j'ai pris de l'eau chaude et tout pour tester le produit avec mes ongles. Je ne sais pas si je vais réussir à ouvrir ça. Donc, je vais sûrement aller chercher un couteau. C'est un chit-chat make-up que je fais, moi, un chit-chat unboxing dégustation. Alors, du coup, je suis allée l'ouvrir. Je suis allée mettre les piles dedans. Donc, voilà la bête. Les piles sont fournies avec, mais il faut les mettre. Mais les piles sont fournies avec et ça, c'est très bien. La petite baguette à mettre, hop, donc il y a un truc pour l'insérer et la caler. Je pense que c'est comme ça. Ouais. J'ai tout ce qu'il me faut pour faire un petit thé. J'ai de l'eau chaude. On va éviter d'en mettre partout. Oh, j'ai l'impression de faire une potion magique. Hop là, super. Petit thé aux épices de Les Deux Marmottes. C'est un thé qui a le goût des épices, comme l'indique son nom. Je mets le sachet dedans, le petit sucre. J'adore le sucre, hein, si jamais. Hop. Et du coup, on va tester. Après, là, j'ai mis le sachet dedans. Donc, est-ce que ça va tourner avec le sachet qui est dedans? C'est parti, crash test. Bon, ce tas c'est magnifique. Vous voyez qu'il y a quand même des produits sur site. Je pourrais rester comme ça pendant des heures. Donc, je vais vous montrer comment prendre vos places pour aller voir Tom à la TGS de Toulouse. Vous allez sur Internet. Hop, je mets TGS Toulouse 2021. Je vais sur le premier site que j'ai. Billetterie. Je descends. Donc là, c'est les entrées. Donc vous prenez l'entrée normale, soit le samedi, soit le dimanche. Hop, moi c'est dimanche. Donc ça vous fait 16 euros l'entrée. Et ensuite, vous allez là dans Extra Toulouse. Et vous voyez toutes les guests qu'il y a, tous les acteurs. Vous allez dans Tom Felton. Donc, il y a autographe qui est à 80 euros samedi, dimanche et photocall. Donc, la photo, il vous imprime la photo. Vous savez, dès que vous avez fait la photo, il vous imprime la photo sur papier. Samedi, dimanche. Moi, je n'ai pris que la photo parce que voilà. Donc, photocall dimanche, vous mettez plus. Et après, voilà, vous savez, un total de 106 euros pour la convention. Donc, entrée plus photo avec Tom et vous mettez réservé. Et après, vous rentrez vos coordonnées, carte bancaire, etc. Donc, voilà. Regardez dans Invité Tom Felton et l'acteur de Walking Dead. Hop, il est là, l'acteur de Walking Dead et Teen Wolf. Donc c'est juste incroyable. Vous avez aussi pas mal d'entrées VIP et tout, mais là, bon, il faut coûter 500 euros d'entrée VIP. Je crois que j'ai vu l'entrée VIP. Vous rentrez une heure avant, vous avez des cadeaux, mais surtout, vous avez 20 minutes en petit comité avec Tom Felton. Alors, c'est cher quand même, c'est extrêmement cher. Je trouve ça cher de façon générale, les conventions. Mais déjà 30 secondes avec Tom, parce que je sais que je vais pas le voir longtemps, je vais sûrement le voir 30 secondes. Je vais bégayer, je sais pas ce que je vais dire. Mais 20 minutes avec lui, imaginez, hein, comme ça je serais. Dernier petit produit du carton que j'ai reçu, du colis que j'ai reçu. C'est une boîte en forme de Magicobus. Donc, oh, c'est une tirelire. Donc, je pourrais m'en servir en tirelire après.
Bon, je suis pas trop tirelire, mais je vais mettre d'autres trucs dedans parce que c'est une boîte qui va me servir. Et donc là, il y a quelques petites dégustations. Donc vous avez notamment une choco-grenouille que j'avais déjà eue. Donc c'est pas les choco-grenouilles qu'on peut retrouver les plus chères, celles vraiment dans les boîtes comme dans les films. Mais celles-là sont aussi très bonnes et vous avez aussi une carte. Oh, j'ai eu l'autre carte! Oh non, c'est trop bien! Il me fait trop rire le cas. Donc la petite carte qui bouge avec l'autre carte. ASMR. Je vais lancer ma chaîne ASMR, vous n'êtes pas prêts. Hein. Viens là. Non. Alors, on va manger cette petite grenouille. Comme j'avais dit, il y a un peu du riz soufflé, je pense, dedans. Très bon. Désolée pour les gens qui n'aiment pas les bruits de bouche. J'ai eu un gros sachet avec des bonbons, ben, un peu Halloween parce qu'il y a des souris, des araignées, des serpents. Je pense pas que je vais faire une dégustation de ça parce que on connaît tous à peu près ce que c'est. C'est nos trucs de nos enfances. Par contre, j'ai des têtes brûlées vampires. Et ça, je pense que ça peut être drôle de faire une dégustation. Il faut savoir que je vais vous raconter ma vie. Mais j'ai des papilles gustatives qui sont très sensibles à tout ce qui est acide et tout. Tellement que même les produits pas acides, je les sens acides. Genre, je peux manger des pâtes et trouver ça super acide. Donc, ce genre de truc, c'est un peu une torture pour moi, mais j'adore. Alors. Ah, ça me fait déjà horrible. Pour l'instant, ça va. Je sens que si je croque, je vais avoir un liquide dedans. Franchement, ça va. Il y a pire. Donc, du coup, je prends l'avion de Genève. Avion, j'ai payé aller-retour 77 euros. Je pars de Genève, donc avec Jeanne, le samedi. On arrive donc le samedi, fin d'après-midi, je crois, à Toulouse. Et on a la convention à 9h, ça ouvre à 9h, je crois, 9 ou 10h le dimanche. Donc on va aller le dimanche dès l'ouverture, je pense. Parce que s'il y a d'autres trucs à faire là-bas, puis voilà, on sait jamais s'il y a d'autres acteurs qu'on veut voir. Comme j'ai dit, bah, l'acteur de Walking Dead, elle aussi, elle regarde Walking Dead. Donc on se dit, on sait jamais, on va peut-être prendre une photo avec lui. Moi, je pense que c'est sûr. Donc on va passer, je pense, la journée là-bas et tout. Après, on a notre train d'avion, oui, bien sûr. Notre train de... toujours pas au sérieux. Notre avion de retour, on l'a le dimanche à 20h et quelques. Donc on va pas trop traîner non plus à la convention, mais bon, je crois que ça ferme vers les 17h, un truc comme ça, la convention, donc en soi on a le temps de passer un peu la journée là-bas. Donc on va être une nuit sur Toulouse, voilà, on va louer un petit truc, hein, un petit truc, on s'en fout de toute façon. On va là-bas juste pour Tom. On a prévu aussi un petit budget nourriture, mais je pense que je ne vais absolument rien manger tellement je vais être dans un stress incroyable, parce que là pour moi dans ma tête je ne réalise pas encore que je vais voir mon acteur préféré, enfin un de mes deux acteurs préférés, tellement genre... Tom et Jeffrey, je vais voir Tom Felton, je voulais Traco, vous... tout le temps je vous saoule tous avec Traco là, je vais voir Tom Felton. Je vais me cramer, j'ai voulu faire genre j'allais boire mais je vais me cramer. Si vous avez des questions sur la convention, sur mon séjour, sur tout ce que vous voulez, vous pouvez soit les poser en commentaire YouTube, soit... sur TikTok, parce que je vais parler beaucoup de ça sur TikTok, soit sur Instagram. Voilà, je vous mets tous mes réseaux, comme ça bah, vous pouvez aller me poser des questions si vous avez des questions à me poser. Puis comme ça, vous pouvez aller me suivre, parce que je pense que je vais énormément poster des trucs sur ce sujet. Je vais bien évidemment faire un vlog que je posterai sûrement sur YouTube. Il y aura plein de TikTok, plein de stories Insta. Bien évidemment, il y aura aussi un vlog YouTube, ça c'est sûr et certain. Donc, pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller le voir, j'essaierai de vous faire vivre un maximum ça avec moi, vraiment. Voilà, donc vous inquiétez pas et croyez en vos rêves. Moi, jamais de ma vie, je pensais voir Tom Felton et ça va arriver dans un peu plus d'un mois. Donc, croyez en vos rêves, je vous jure que vous allez réussir à le voir un jour. Si vous y croyez, vous allez le voir. Pour ce que je vais lui dire quand je vais le voir, j'en ai aucune idée. Très clairement, je ne suis pas extrêmement forte en anglais. Je me débrouille. Quand je suis allée en Angleterre, j'ai réussi à communiquer genre avec les commerçants, tout ça.
Franchement, je me débrouille. Mais là, la panique, je pense que même français, je ne vais plus parler français. Donc, je sais pas. Et en plus, c'est très rapide, les photocalls. Donc, je pense qu'un thank you et I love you, et ça sera déjà bien. Mais voilà. Je sais qu'avec le Covid, peut-être pas sûr que je puisse lui faire un câlin. Et ça m'énerve. Mais bon. J'aurais quand même une photo avec Tom, quoi. C'est incroyable. Bon, je finis la petite grenouille et je vous dis, je pense, au revoir. C'était une petite vidéo sympathique. Voilà, dégustation, ouverture de colis. Un colis incroyable d'ailleurs, vraiment merci à Nostalgif parce que c'est incroyable. La boîte tirelire, elle est trop chou. Les élastiques, là, j'aime trop. Et le mec, surtout, est fou. N'oubliez pas que vous avez 10% de réduction du coup sur tout le site avec le code OC10. Voilà, si vous faites des petites commandes ou quoi, n'hésitez pas à faire des petites stories. À m'identifier en story Instagram ou m'envoyer des photos quand vous avez reçu le colis, ça fait toujours plaisir de voir ce que vous avez acheté, tout ça. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous tiens au courant de mon avancée avec Tom, même si bah voilà, il n'y a rien d'autre à dire de plus, à part qu'à mon avis, plus on va s'approcher de ce jour, plus je vais commencer à réaliser et être en pleurs. Donc voilà, je vous laisse me suivre sur tous les réseaux et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et surtout à activer la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à bientôt mes petits pots de reine, merci pour tout et je vous aime très fort. Bye et joyeux Halloween!